Coucou les scrapeuses, ici Camille avec moi. Monsieur Camille. On va faire un petit peu de cachet de cire. Comme ça, ça me laisse le temps déjà de faire fondre. Là, je voulais vous montrer. Voilà, on a ressorti les poêlons classiques. Ça, on va y mettre aussi. Tous les petits cachets qui étaient loupés et plus d'autres qu'on va les faire refondre. Voilà, pour en refaire des cachets, des vrais cachets. Le but, c'est pas de faire des cachets de cire, vous savez en faire ou pas. Mais en tout cas, on va vous montrer. On a pris nos petits poêlons. Hop. Zoup, moi je vais mettre celui-là aussi. Il faut que tu l'allumes et que tu te poses par-dessus. Ah oui, par-dessus. Tout ça parce que je vais faire le petit tirage au sort en même temps de cette plaque. Vous savez, j'avais eu deux partenariats, je m'étais trompée, je l'avais eu deux fois. Donc, vous aviez mis un petit commentaire sous la vidéo de chez Bibicraft. Et ben voilà, je vais du coup vous faire gagner pendant que monsieur, qui me donne le feu, faire celui-là, allumer celui-là. Ça n'allait pas avec ça ? Si. Hop, voilà les petits poêlons. Zoup, voilà qu'on va mettre faire chauffer. Alors c'est un peu long au début, puis après ça va vite. Je vous rappelle aussi, donc chez Bibicraft, j'avais eu un lot et j'avais eu avec les petits autocollants hein, pour fixer vos cachets de cire. Franchement, ça va vraiment, vraiment super, super bien. Voilà. Vraiment très efficace. Alors, pendant que monsieur, il attend que ça chauffe un peu, moi, j'ai pris mon iPad et je vais du coup rentrer la vidéo, les commentaires de la vidéo et vous montrer, voilà. Donc, hop, je vais dans mes vidéos, qu'est-ce que tu vas m'en mettre là? Ben, le bleu qui était mal fait. Oui, mais du coup, il faut les couper en petits bouts. Il faut que je prenne un ciseau, tiens. Ça, c'est pas de la brésille. Ça, c'est du stylo. C'est au stylo, pas au stylo. Bah, mets-moi du rouge, là. Je vais faire un cachet de cire rouge. C'est ce que j'ai avec le j'ai un pistolet à cire. C'est pas la même cire. Non, c'est pas de la cire. Ah, bah, voilà. Alors, où est mon petit... Oui, ma petite vidéo. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, c'est avec Bibicraft que j'avais eu celle-là. Et j'en avais eu une autre avec One Day Saving. Donc, du coup, c'est pour ça que je vais vous faire gagner. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la vidéo. C'était One Day Saving All pour moi et pour vous. Où j'avais acheté voilà les Diamond Painting de... Pirates des Caraïbes, voilà, hop, on y va, vous savez comment ça fonctionne, donc on fait le petit tirage au sort, il y aura une gagnante, on exclut les doublons, il y a un recompte de on va mettre 5, voilà, bien évidemment la gagnante, elle m'envoie un mail avec ses coordonnées, pour que je puisse voilà, lui envoyer son petit lot. C'est ça, on est d'accord. Allez, on y va. Tu vérifies que je ne triche pas, monsieur? Ouais, je vérifie. Ouais, mais de toute façon, elles vont vérifier. Oh, yes. J'en étais sûre à chaque fois, ils me font... voilà. Hop. Attention, je ne sais pas pourquoi 10 secondes. J'espère que ça ne sera pas une erreur. 4, 3... 2, 1. Voilà. Donc, la gagnante, c'est Marie Buffard, 44-12. 44, c'est une bretonne. Vive la loi Atlantique. On est d'accord, ça, c'est encore ça. On m'a dit ça. Voilà. Eh bien, écoute, Marie, sous cette vidéo, tu as mon adresse mail et tu m'envoies donc
eh ben, ton adresse pour que je t'envoie ce moule caché de cire. Oui, sous cette vidéo, il y a en barre d'infos mon adresse mail pour que tu m'envoies un petit mail. Allez, on y va, on va voir monsieur ce qu'il en est. Hop. Ça chauffe. Ça chauffe. Voilà, j'ai photographié comme ça. Je sais que c'est elle, Zoup, qui a gagné. Ça chauffe. On va y arriver, on va y arriver. J'avais un pic, un truc comme ça pour faire, je crois. Oui, tu m'as mis combien là de petits cachets? 3 ou 4. 3. Est-ce que tu crois qu'il y a assez, 3? Oui, ça suffit largement. Mais ça chauffe pas sans ça, ça va être très. Bah oui, mais le pistolet, ça chauffe bien, mais c'est vachement. Ça bouffe. J'ai un pistolet à cachet de cire, mais j'ai plus. Ah. Ah, bah oui, t'as pas testé, toi. Non. Tu crois qu'il y a assez? Oui, ça y fait. Tu crois qu'il y en a assez? Je crois pas. Hein. Tu fais un petit, les années. Ouais, j'en mets un autre. Oui, il est plein parce que j'ai rajouté plein de trucs. Ouais, non, mais toi, tu nous as fait une mixture, je sais pas ou quoi. Une cuisine? Ouais. Tu fais de la cuisine. Voilà, on va en faire quelques-uns. Donc, comme ça, ça donne une indication parce que j'avais plein qu'il fallait que je refonde. Mais en fin de compte, les... Ce qui est plastique, c'est pas la peine. Voilà, mais en fin de compte, ceux qui sont faits avec le... pistolet, vous savez, ouais, je vais vous montrer, eh ben, ils sont différents, c'est pas de la vraie cire, je sais pas comment dire. Donc ils ne se refondent pas. Tu es différent. Ouais, je sais pas. Tu crois qu'ils se fondent pas? Bon, on essaiera après. Peut-être que... Donc voilà, on fait la petite mixture. Hop. Alors les gens, ils trouvaient que c'était pas forcément super sympa parce que du coup, ça te fait pas décacher très, ça te fait trop rond. Mais en fait, t'as pas très rond autour, quoi. Là, tu vois, celui que j'ai fait, là... Pareil grand. Ouais, si vraiment tu fais un trop grand, mais là... Vous voyez, on disait à les filles, c'est pas régulier. C'est pas parce que t'as un moule que c'est régulier. Il est pas mal, mon petit... Voilà, vas-y. Et voilà, le tien. On fait des... Après, on fait un concours, hein. Ouais, mais t'as mis quoi comme couleur? Il a fait un mélange. Le plus beau, c'est quand même c'est le mien. Mais bien sûr. Regardons. Oui, voilà. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a le moule rond que ça fait vraiment des bords réguliers. Hein. Parce que les filles, elles avaient peur de ça et tout ça, mais en fait, pas du tout. Ouais, essaye de pas mélanger. Là, je sais pas trop quelle couleur t'as fait là, mais. C'est vraiment des couleurs. Non, mais vas-y, n'importe. Faut pas mélanger trop de couleurs. On peut, hein. Ça vous fait pas des. Tu vois rien de toute façon, c'est la couleur la plus foncée qui remporte le truc. Est-ce que ça chauffe dessous là? Non, ça oui, chauffe pas trop ma plaque de verre en dessous? Non. Oui. Non. Il y en a? Non, non, ça. Parce que c'est chaud là. Okay. Sinon, je pourrais faire ma petite plaque de cuisine. Ouais, c'est beaucoup moins joli dans le décor, mais je voudrais pas péter ma plaque en verre quand même. Tu veux pas faire te mettre à côté? Non. Non, mais là il va pas direct le tien. Oui, si, bon. Il va direct. Non, mais je veux dire, il y a des petits pieds, il est pas contre ma plaque de verre en direct. Ah, si t'es obligé de me racheter une plaque en verre, c'est pas terrible hein, quand même. Non, je suis sûr. Pas terrible. Donc, voyez, voilà, c'est sympa le pistolet. C'est quand même plus rapide. Mais c'est un pistolet à colle. Ouais, c'est un pistolet. Non, c'est un pistolet. Je vous l'ai déjà testé. Hein. Vous l'avez dans ma playlist. Hein. J'ai déjà utilisé. Il marche bien, mais c'est pas encore parfait parce que il faut pousser. Mais là, il faut remettre une autre. Là. Oui, mais j'en ai plus.
Sinon, je te l'aurais mis. Il a l'air d'acheter. Oui, bah, j'ai pas fait de commande exprès pour ça. Voilà, faut. On est d'accord qu'il faut. Faut pas faire des commandes exprès que pour ça. Bon, bah voilà, nous on va finir de s'amuser. Ça va être fini, de toute façon, la bougie elle est toute liquide, donc ça va s'arrêter tout seul. On va être en panne de bougies chauffe-plat. Il va falloir qu'on en rachète. On est des amateurs. Bon, en tout cas, voilà. Je vous mets une petite photo, vous, de toute façon, de nos petites bougies. En attendant, je vous remontre, parce que je l'ai pris en photo. Voilà. Marie, je te laisse m'envoyer ton adresse. Voilà, pour que je t'envoie mes petits moules. Voilà. Hein, j'espère que tu as de la cire et choses comme ça. Et je te donnerai 2-3 petits cachets de cire. Déjà tout fait là. Voilà. Pour que tu puisses voir, choisir les couleurs si jamais tu n'as pas. Si tu n'en as pas, savoir quelle couleur tu aurais envie d'acheter. Allez, Il y a toutes les couleurs. Ah ben oui, on peut acheter toutes les couleurs. Hein. Moi j'ai des petits pots comme ça, j'avais acheté sur AliExpress. Il y a très longtemps, au moins 3 ans. Voilà, mais vous en avez, bien évidemment, maintenant, vous avez Zébuline qui en vend. Il y a plein de marques maintenant qui en vendent. Hein. Mais à vraiment des prix super sympas. Moi, je les ai depuis très, 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 très longtemps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On va terminer un dernier. Si, c'est beau. Vous l'entendez à côté qui dit c'est pas beau, c'est pas bien. Il est parfait. Il va être parfait. Ouais. Allez, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous, bisous.